J'ai lancé le son un petit peu trop tôt. C'est pas bien grave. Salut YouTube, bienvenue dans cette rediffusion. Installe-toi, on démarre tout de suite après avoir fini la précédente. Voilà, t'es tenu au courant. Donc on va revenir directement dans le sous-marin. Je vais passer, voilà, en plein écran. Et on va continuer ce remake qui certes n'est pas parfait, certes est mal codé, mais ça fait quand même du bien de rejouer un petit peu à 13 de temps en temps. On va pas se le cacher. Faut aller par où ? Il faut aller par où ? mais attendez, j'ai plus rien en munitions, c'est la S là. Hein. J'ai pas grand chose. Ok, il faut aller par là. C'est bon. Hop, je vais me remettre un petit peu plus droit, je vais rapprocher ça du coup. Voilà, voilà, on est bien. Alors si je me souviens bien, j'aimais vraiment beaucoup ce niveau. Y'a quoi ici? Fuck it! Eh bah ok, on est déjà repéré. Yes, très bon début de vidéo, tout va bien. Tout va très bien. Oh punaise! Ok. Donc ouais, comme le niveau précédent, faut pas être... En fait, y'a quand même beaucoup de niveaux où au final, il faut pas être repéré. Hein. J'ai envie de dire. Je vais mettre ça un petit peu plus bas, voilà. Comme ça. Ouais, il y a quand même pas mal de niveaux où il faut être discret dans ce jeu. J'avais oublié que c'était à ce point-là. Donc, du coup, je monte ou je descends? Là est la question. Ici, là, je fais quoi? Je vais par là? T'es qui, toi? Pourquoi il y a un mec, là? Y'a quelqu'un qui est juste là? Ah mais il est de l'autre côté, je peux pas l'avoir, hein, je peux pas ouvrir. Il est au-dessus de nous? Ah il est là. Oh là là. Chut, pas de bruit. Il peut nous voir ou pas? Si on est en dessous de lui, il nous voit ou pas? Mais qui... le lâchez pas! Oh le bâtard! Non! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je peux pas tirer à travers. Non! Ah ouais là c'est vraiment du Metal Gear là. Attention! Sauf que bon... le jeu, il est pas aussi bien codé qu'un Metal Gear. Là est tout le problème. Regardez, je fais du bruit à chaque fois que je veux essayer de descendre une échelle. C'est pas possible. Bon, faut rester dans son dos. Allez, on y croit. On y croit. On y croit. Yes, c'est bon. Sauvegardons. Est-ce que ça a l'air d'être compliqué comme niveau? Bordel. J'imagine que je peux pas les tuer. Ok, voilà. Je l'avais dit. Non mais vous, je voulais être sûr. Bah, on va l'assommer. Hein? Que voulez-vous? Putain, c'est la voix de Clank. Et de Roy Mustang également. Dans Full Metal. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai rien fait! Mais bordel! Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrez les clapets des citernes du palace principal, à vos ordres. Ça a l'air d'être complexe. Hop, je l'ai pris en otage. Comment on fait pour s'en débarrasser? Ok, comme ça. Mais merde! Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je comprends rien. C'est quoi déjà l'autre touche pour l'assommer, si c'est pas... Je sais plus c'est quoi la touche. YouTube aide-moi. Twitch aide-moi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'allais peut-être pas passer par là. Hein. Ouvrez les clapets des citernes du palace principal. À vos ordres. Non mais je sais pas ce qu'il faut faire là. Il y a deux mecs. Ah fallait peut-être pas que j'ouvre. Faut que je les laisse s'échapper. Vous m'avez fait appeler, mon commandant. Ah, ok. Faites en sorte que l'on ne me dérange pas pendant une quinzaine de minutes. À vos ordres, commandant. Y a quelqu'un au-dessus. Immersion du sous-marin. Putain, mais c'est chaud comme mission. C'est vraiment chaud.
Ok, c'est le moment. C'est quoi la touche? C. Hop, fais dodo. La tatane qu'on lui met. Pouh. Le lâchez pas. Fuck. Reviens là. Reviens là. Voilà, headshot. On n'en parle plus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bordel. Elle va me saouler cette mission. Ouh là là, elle va me saouler. Ouh, elle va me saouler. Faut peut-être que je la somme pas en fait. Hein. Vous m'avez fait appeler, mon commandant. Faites en sorte que l'on ne me dérange pas pendant une quinzaine de minutes. À vos ordres, commandant. Il est juste là, faut faire attention. Ouais, mais putain, mais il y a lui, là. Moi, je veux bien, mais c'est difficile. Là, il va nous voir, voilà. Là, il nous voit, du coup. C'est trop chaud. C'est bon? Toi, je peux pas t'assommer, toi. Bien sûr que non. C'est complexe. Je comprends pas vraiment comment on est censé avancer. Sans se faire repérer, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Bordel de merde. Non, tu n'as rien vu, je suis pas là. C'est pas moi. Y'a personne. Il y a personne. Tout va bien. On va re-sauvegarder un coup. Et bordel. Non. Pas d'alarme. Alors, comment je le tue, celui-là? Ah, ok, comme ça. Le sous-marin plonge. Allons-y. Ok, je suis full munition de mitrailleuse, mais on peut pas l'utiliser. Ça fait trop de bruit. Je crois que j'ai fait un gros détour pour rien, au final, non? Hein, j'ai l'impression. Super kit de secours. Ah, ça, c'est bien, ça. Un otage. Un futur otage. Putain, comment on se déplace tel un chat? Numéro 7. Je répète, ici numéro 7. Ici numéro 1, à vous. J'ai avancé le départ de USS Patriot pour protéger le chargement. Le Grand Spatz vient d'accuser de lourdes pertes. Numéro 11 n'est plus des nôtres. Infiltration rondement menée. Oh, petit flashback. Ligne numéro 17, poursuivez votre mission. Je vais entrer en contact avec le numéro 1 dans quelques secondes. Essaie d'identifier l'homme qui va répondre à mon appel. Et nous connaîtrons enfin le visage du numéro 1. C'était le début du jeu, ça, non? Numéro 1, ici numéro 17. Est-ce que vous me recevez? Ici numéro 1, que se passe-t-il? J'ai transmis les derniers plans au numéro 11. J'attends vos instructions. Vous ne deviez pas m'appeler avant le signal. Numéro 17. Allô, numéro 17, je ne vous reçois plus. Qui est ce numéro 1? Ah, on s'en souvient pas.
On n'était pas loin de réussir à voir le visage du numéro 1. Mais du coup, Jones s'était aussi infiltré dans l'organisation avec nous. Étrange, ça. USS Patriot, donnez-moi votre destination. Ouh, c'est fort. Maryland sur Resolute à FDM10, à vous. Message reçu. Fin. Pont recouvert d'eau. Ok, bah voilà, on a transmis les coordonnées. Maintien de l'angle à 12 degrés. À vos ordres. Se cacher dans la cabine du sous-officier. Ok. Pourquoi pas, après tout. Hop, un petit headshot. Propre, efficace. De toute façon, là, j'ai plus beaucoup de balles, donc il faut y économiser. Hein. Sinon, faut y aller comme un gros bourrin et empêcher quiconque de sonner l'alarme. Mais ça me paraît compliqué. Ah bah, on est déjà arrivé, nickel. Cachons-nous dans la douche. Personne va nous trouver. Personne ne prend de douche dans un sous-marin. Tout le monde sait ça. Repérer, fuir. Comment ça, j'ai été repéré? Attends, encore une fois, normalement, là, il y a un son d'alarme, il me semble. Hein. Oh, mais c'est tellement bugué, regardez, il n'y a pas de son. Bon, on prend la chaise. On se rappelle que c'est la meilleure arme. Non, mais là, ça casse tout, il n'y a pas le son de l'alarme. C'est tout pourri. Bon, vu qu'on s'est fait repérer, plus besoin d'être discret, on va tout canarder. C'est par où? C'est par là ou pas que je dois aller? Salut les gars! Ça va? Non, pas par là. Ouais, donc encore une fois, on fait juste le même niveau mais à l'envers quoi. J'avais oublié que c'était un petit peu réutilisé comme ça, les niveaux dans le jeu. Ça, c'est pas tip-top, en effet. Ah merde, ils sont deux! C'est bon. On s'inquiète pour rien. Surface! 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 On est en train de retourner à la surface, je crois. Ce qui voudrait dire que peut-être qu'on est arrivé à destination. Salut les gars. Je dois peut-être y aller au fusil à pompe, hein. En train de me dire. Approche de USS Patriot vers Resolute à FDM10. Bon, y'a personne. Faut que j'aille où, en haut ou en bas? Du coup, je sais pas, hein, avec toutes ces conneries. Ouh, ça rame. Ça rame du cul. Ouh, ça rame. C'était pas beau, ça. Toi, tu meurs. Putain, le pompe, hein, meilleur ami de l'homme. Qu'est-ce que j'ai fait? A priori, ce qu'il fallait faire, mais... Putain, ça fait bizarre, y a pas l'alarme. Enfin, je pense que là, de toute façon, je viens de la couper, mais... Normalement, le jeu, y a de l'alarme, quoi. Là, on s'est fait repérer, on sait pas trop comment, mais on s'est fait repérer, et normalement, y a une grosse alarme, il me semble. Oh! On rentre pas comme ça, hein. On frappe avant d'entrer. Qu'est-ce qui est où? Fermez toutes les écoutilles et escortez-moi jusqu'à la salle des torpilles! Ouais. Vous! Neutralisez cet individu. Mais mange tes balles! À secours! Je fais du caca! Bon, j'ai compris. Ah, cette visée! Mais cette visée qui est horrible! Je vise mal! T'avais pas déjà tué, toi? Oh là 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 là, c'est compliqué, hein.
Heureusement qu'on a la vie qui remonte petit à petit, jusqu'à la moitié. Parce que là, c'est complexe. Medikit, je prends. D'ailleurs, je vais l'utiliser. Medikit, s'il te plaît. Voilà, merci bien. Et on continue. Oh oui, de l'armure. Un boss ? Vous ne sortirez jamais vivant d'ici, Roland. J'ai bien l'impression. De sauter avec les missiles. Je préfère mourir ici plutôt que d'annoncer un échec au numéro 1. Ouais, non ? On va éviter ça ? Ouais ? Merde, ça change d'arme dès que j'essaie d'appuyer sur la molette. C'est horrible. Reviens là. Où est-ce que tu vas? Reviens là. Ah, il invite des copains. Hop. La bombe. Toi, tu peux mourir, s'il te plaît? Merci. Ah. Fallait que je recharge à ce moment-là, bien sûr. La grenade, ça marche bien. Non mais j'ai pas de munitions là, arrête avec ça. Change d'arme. Oh mais c'est pas possible. Allez, le pompe. Non, ok, celle-là, si tu préfères. Ah oh, mais quel combat. Quel combat, mes aïeux. Et voilà, on n'en parle plus. Ah, c'est efficace. Hein. Non, casse-toi, je m'en fous de te porter, je veux ta clé. Hop. Hein. Ok, il faut que je grimpe. Utilise la clé, s'il te plaît. Voilà, merci. Bonsoir. La suite. Merci pour les munitions. J'aurais peut-être dû péter ça autrement. C'est pas grave. Le carnage qu'on est en train de faire. Non, c'est pas par là ? C'est par où ? Où ? S'il vous plaît ? Ok, c'était par là. Les objectifs ne s'affichent que quand ça veut. Hein. C'est un truc de fou. Encore une clé, mais c'est pas possible. Y'a quoi là-dedans? Rien. On se recache. Oh non, ils ont trouvé ma cachette. Je vais prendre une autre cachette. Et donc du coup, cette clé, elle sert à quoi? Parce que j'appuie sur la touche pour afficher l'objectif, mais ça ne marche pas. Hein. Ça ne veut pas. Ok, là, ça s'est activé. Faut qu'on redescende. Mais what the fuck? Bah, je veux bien, mais par où? Par là? Oui, c'est d'où... mais c'est d'où on vient, ça? Ah, ok. Unlocked. Oh, mais y a pas de son, y a rien, y a pas d'ambiance, c'est un truc de fou. Ça, non, c'est celle-là, la map multijoueur. Voilà, c'est celle-là, avec le sous-marin au milieu. Ça fait très GoldenEye, d'ailleurs, aussi. Mais qu'est-ce qu'ils foutent à l'intérieur? On a moins d'une heure pour tout décharger. On a perdu le contact, mon colonel. Quelqu'un a essayé d'ouvrir le sas, au moins? Il est bloqué. Envoyez les plongeurs, je veux savoir ce qui se passe. Les bien plongeurs? Mon arme bug complètement, on est d'accord? Regardez-moi ça. Oh, c'est magnifique! Ah ouais, c'était pas mal, ça. Ah, mais attends, j'ai même plus le modèle. Yes! Vraiment, vraiment bien codé. Je peux avoir les modèles, s'il vous plaît. Voilà, merci, c'est quand même mieux. Toi, là-bas.
Voilà, headshot. Putain, mais en fait, toutes les armes one shot en headshot, c'est ça le délire? Trop bien. Ça, c'est cool. Oh, car quoi? Oui. Comment ça, alerte? T'es où? Pas alerte du tout. Fais juste dodo. Putain, j'ai récupéré que 5 munitions d'arbalète, c'est pas grand chose. Et fuck. Toujours aussi discret, hein. Y'a quoi par ici? Y'a rien? Genre, si je saute ici, y'a pas un petit secret par là? Oh, déconne pas. Putain, mais les faux espoirs, quoi! À chaque fois, je me dis, ah là, y'a un secret! Pas du tout! Y'a pas de son! Y'a pas de son! L'IA au top. Ah ouais, non, mais... L'IA toujours au top. Salut, Fox! Comment que ça va pendant le confinement, tout ça? Non, mais tout ce jeu, hein, y a pas que l'IA d'ailleurs, hein, tout ce jeu est mal codé. Mais du coup, c'est des situations un petit peu cocasses parfois. Mais là, genre, y a pas de son, quoi, y a pas de musique. C'est chiant. C'est soit une musique répétitive, soit pas de musique, c'est génial. Hein. Ah. J'ai tué ton ami. Toi aussi. Attends, mais quelle IA réactive? Ah. Ah non, pas eux! On s'en souvient de cela, hein. Ah, quel combat exceptionnel. C'est quoi, ça? Pourquoi il a un... Toi, tu vas mourir explosé. Et toi, tu peux mourir tout court, en fait? Voilà, merci bien. Oh, la lenteur. Ils ont mis beaucoup trop de PV à ses ennemis. Beaucoup, beaucoup trop. Allez, si tu me dis que là, il n'y a pas un secret... Non, mais comme d'hab, il n'y en aura pas, de toute façon. Faut que j'arrête d'essayer de me faire des films. Qui me tire dessus? Oh, salut. T'es mort. Il y en a un autre? Non, c'est bon. Ok. Putain, mais toujours pas. C'est fou, ça. Ils sont où, les bonus? Les trucs à récupérer, ils sont où? Je fouille tout. Et je ne trouve rien. Triste désillusion. Et merde, je me suis fait mal. Boulet! Jones, tu me reçois? Je sors de l'aéroport à l'instant. C'est Carrington qui prend la relève. Il va te récupérer à la sortie du hangar 33. Non mais voilà, mais il crie alerte, mais on n'entend pas l'alerte. D'ailleurs, dans le sous-marin, normalement, c'est censé être l'alerte générale, on n'entendait rien. Du coup, c'était un petit peu angoissant. Ah, yes. Harpon! Harpon, carrément! Comment ça marche? Il est où, mon harpon? Je veux un harpon. Pas de harpon. Chier. Je veux trop un harpon. Donnez-moi le harpon. J'ai eu des munitions pour harpon. Non? Ok. D'accord, c'est par là. Je pensais que c'était la suite là-bas, mais pas du tout. Oh, sniper. Carrément. Je prends, avec grand plaisir. Comment ça, là-haut? Non, il y a personne. Qui c'est qui m'a vu? Yes, bonne ambiance. Toi, tu meurs. Toi, tu meurs aussi. Ouh, le headshot. Magnifique. Heureusement que l'IA est aux fraises. En fait, c'est rien, hein, ça rend le jeu beaucoup plus facile. Peut-être un peu trop, d'ailleurs. Faut que je saute là-dessus? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres ennemis dans le coin? Non? Si? Je suis censé faire quoi en arrivant là-bas, moi d'ailleurs? Ouais? Tu vas te calmer? Putain, les chauves, hein, ils sont vénères. Mais merde! Je suis censé faire quoi? Comment je suis censé arriver là, moi? Je dois pas sauter quand même, c'est beaucoup trop loin, on est d'accord? C'est pas possible. Si? Je dois faire ça? Ça me paraît chaud quand même.
Non mais moi je veux bien, mais si on me dit pas quoi faire... Ah, y'a un crochet, j'avais pas vu. Il est là. Wouhou! Allez, on recule. On avance. Et on casse les vitres. Toujours très important de casser les vitres. Saloperie de vitres. C'est vrai que j'ai encore ce silencieux. Et le harpon. Oh putain, oui, le harpon. Le harpon. Ah ah, ça veut dire qu'il va y avoir des ennemis dans l'eau, ça. Ouais, moi je sais réfléchir, moi. Saboter l'hélice du sous-marin. D'accord. Je vais faire ça. J'ai du nouveau. Tu dois saboter le sous-marin pour couler le chargement. Bonne chance. Merci bien. On va sauvegarder, hein. Ça, parce que ça pue, là. Là, je vais faire de la merde. Ou des poissons dans l'air, effectivement. Soit tuer des hommes sous l'eau, soit des poissons dans l'air. Et du coup, ça se sabote comment? Ah oui, carrément. Là, c'est pas saboter, ça. Ça, c'est tout faire péter, en fait. Faut que je me mette à l'abri. Encore une fois, je veux bien. Comment? Je vais mourir. Non, c'est bon. par contre, là, j'ai bientôt plus de souffle. Donc là, je vais mourir. Pardon. 13 est mort. Ok, pourquoi? On m'explique. Je suis mort pourquoi, là? The fuck? On peut remonter où, d'ailleurs? Ils me disent de me mettre à l'abri. Ah, il y avait une... Ok. Tant pour moi. C'était juste là. Hé, hey, même pas mal. Je suis arrivé pile poil sur l'hélice. T'inquiète pas, je vais me mettre à l'abri. Y'a pas de soucis. Bah ouais, il me semble bien qu'il me restait du souffle, effectivement. Encore une fois, très bien codé ce jeu, hein. Vraiment. Yes, encore plus de harpons. Niveau terminé. Ah d'accord. Ok. Bah si tu le dis. Bah si... Ouais, enfin t'as dit terminé donc... Termine-le. Non. Mais... Mais j'en ai marre de ce jeu buggé du cul. C'était marqué niveau terminé, bah passe à la suite. Non. Je sais pas moi. Oula! Oula là là là! Enfin, on va essayer de se rendre là-bas. Mais c'était marqué niveau terminé, j'ai pas compris. Ah ouais, non, mais quel plaisir! Alors que le jeu de base est tellement bien. C'est chiant tous ces bugs. Ah! J'ai raté. Yes, encore. Quel plaisir. Voilà. Voilà. Yes. On récupère notre souffle. On va récupérer les munitions de harpon également. Donc ça a marqué niveau terminé, mais en fait le niveau n'est pas du tout terminé, quoi. C'est ça! Quel plaisir! Les mecs qui ont le sous-l'eau. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe à ça, mais effectivement. Normalement, on devrait pas trop les entendre. Je vais mourir parce que j'ai pas assez de souffle. Niveau. Ah bah voilà, là c'est le niveau qui est terminé, bordel! Toujours pas de cinématique. Putain, mais à chaque fois, je crois qu'il va y avoir une cinématique, mais pas du tout. Ce jeu me brain. J'ai encore le harpon. Ça peut tuer en dehors de l'eau? Je pense que oui. Quand même, parce que c'est quand même pratique comme arme. Oh, on peut faire ça. Ouais, paye ton viseur. Vachement utile. Hop, headshot.
Mais il y a de la... Oh putain, oui, il y a de la musique. Je vais voir ce qui se passe au QG. Ça fait tellement longtemps. Pas de nouvelles du colonel McCall? Non, je n'arrive pas à rétablir le contact avec le camp. Rien ne fonctionne ici. C'est peut-être eux qui ont des problèmes, mon capitaine. Je vous sonnerai quand j'aurai besoin de votre avis, sergent. Rompez! On va les tuer tous d'ici. Ordre, mon capitaine. Ça peut être marrant. Genre lui, là, y'a rien que je peux... que je l'headshot ou pas? Non, j'étais au-dessus, ok. Putain, mais paye ton viseur. Eh, hey, c'est chaud! Voilà, meurs. Meurs. Le petit dernier, faut que tu te avances, par contre, je peux pas t'avoir, là. Non, mais pas autant. Voilà, merci bien. Maintenant, on y va. Ouais, moi je snipe avec un harpon, qu'est-ce qu'il y a? Rien ne me fait peur. Ouh. Efficacité. Mais c'est trop bien cette arme. Attends, mais le harpon, c'est la vie. Non. Non, tu ne dis rien. Tu ne fais pas l'alarme, c'est bon. Oui, tu ne fais pas l'alarme, c'est toi-même qui fais l'alarme. Tu cries. Ah, j'ai ma livraison qui arrive demain. Merci Thomas de me le dire. J'ai une nouvelle table de mixage qui arrive demain. Hâte de la voir. Hey, salut toi. Mais tu es mort? Oui. Salut toi, tu es mort? Putain, cette arme complètement pétée. Bah, comme l'arbalète au final. Quoique non, l'arbalète, ça one-shotait pas partout dans le corps. Fallait faire headshot obligatoire. Oui, c'est un nouveau micro. Que j'ai depuis la semaine dernière, je crois. Il en reste un là, hein. Oui, voilà, toi. Reste là. Mais elle est géniale, cette arme. Je veux plus de munitions de harpon. Que ça. Le reste, c'est de la daube. Medikit, je prends... Ah, voilà, du harpon. Très, très bien, très, très bien. Fuck! C'était quoi ça? D'accord, très bien. Un peu bourrin, hein, comme. Puis il y a eu le bruit des vitres explosées, mais pas du conteneur qui tombe, quoi. Ah, mais putain, j'arrive jamais à prendre les échelles. C'est un truc de fou. Bon, bah, les gars, merci pour les munitions. Je vous ai un petit peu affronté à la déloyale, mais bon. Ah, 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 il y a un petit ami qui est juste là. Ah, t'es mort. Ah, t'es mort. Ah, t'es mort. Et toi aussi, voilà. Mais comment il tombe, quoi, en plus. Animation, tout. Tout est de qualité dans ce jeu. C'est fou. Un petit truc à collecter dans le coin. Oh, des munitions. Kalash ? Ouais non, je préfère la M16. Désolé la Russie, mais là-dessus, je suis plutôt américain. Allez, la petite musique, là, elle passe bien, par contre. C'est un mec, ça, hein ? Un mec ou pas ? Vous croyez que c'est un mec ou pas ? J'arrive pas à voir si c'est un mec. On va faire une sauvegarde. Non. J'ai cru qu'il y avait une touche de sauvegarde rapide, mais non. Eh ben non, c'était pas un mec. Et là, la petite musique d'infiltration. Ah, j'adore, j'adore. J'adore cette ambiance. Faites les No One Lives Forever aussi, les gars. Tellement bien. Ce genre de jeu, je kiffe. Toi, tu meurs. J'adore, en fait, ces clichés de musique de films d'espion ou d'infiltration ou de braquage. Vraiment, c'est un truc qui marche sur moi. D'ailleurs, Fox, tant que j'étais là, on se fait une petite séance écriture dans pas longtemps. Parce qu'il s'agirait de mettre à profit le temps de confinement, vu qu'on peut pas filmer. Autant écrire. Encore une fois, j'aurais pu passer tout discrètement sans tuer personne, mais au final... Eh ben, j'ai buté tout le monde. Putain, j'ai plus que 3 munitions de harpon, par contre. Ça fait chier, ça.
Faut aller par où? Grenade, yes. Parce que là, j'ai sauté ici, ok, très bien. Mais pourquoi faire? Par où est-ce que je dois aller? Bah ouais, bah, dis-moi tes disponibilités, et on s'arrangera. Ah, faut aller par là. Bah oui, bien sûr. Ah bah si, c'était bien, mec. Mais on pouvait pas l'avoir à travers la vitre. Pas très réactif non plus, le gars. J'entends quelqu'un monter à l'échelle. Oh, ça doit être mon collègue. Le conteneur qui se déplace. Eh oui. Et comme ça, on va pouvoir passer au-dessus de la grille. Oh, c'est bien fait, quand même. Vraiment, je dois passer là? À quoi ça a servi, ça? Ah, j'ai fait le trou! D'accord! En fait, c'est pas pour passer au-dessus de la grille, c'est pour faire un méga trou. La taille de cette armoire, debout, je passe. Mais what the fuck? C'est quoi au-dessus? Ah, c'était pas là? C'était pour descendre sans se faire mal? D'accord, ok. Bah, je... Tant pis. Everyday, ma poule. Ah bah... Ouais, du coup, t'es en... Télétravail? Je me demande... Oh! Succès déverrouillé. Oh, j'ai plus de harpon. Bordel. J'ai plus le harpon, les amis. Attends, faut que je fasse des headshots. Comme ceci. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis bon. C'est pas du tout les ennemis qui sont nuls, hein. C'est moi qui suis vachement bon. Vous auriez pas du harpon, s'il vous plaît? Par contre, qu'est-ce qu'il me donne comme medikit? Un truc de fou. La batteuse. Ouais, non, je m'en fous de la batteuse. Moi, je veux du harpon. Oh, ça s'ouvre, ça. Ah bah oui, c'est les mêmes casiers que tout à l'heure. J'avais pas fait gaffe. Je suis full en armure, on s'en bat les couilles. Télétravail tous les jours. Et comment ça fait que tu streames pas? Quelle est cette hérésie? Est-ce que moi, en fait, j'attends le moment pour venir follow sur ta chaîne, mais j'attends que tu sois en stream. Et si possible, pas quand moi je suis en stream, parce que sinon je fais pas de flow. Nouvel écran un peu chiant pour le stream. Ah ouais? Dommage. Ah. 29 pouces. Bah c'est bien ça. En quoi c'est chiant pour le stream? Tu peux afficher plein de trucs en même temps, c'est cool. Tu te branches deux écrans. C'est peut-être vrai que c'est un peu gros, mais non, si tu mets sur le côté pour mettre tous ton logiciel, ton chat et compagnie. Ouh, collectable. Grenade, yes. Et la carte. Carte magnétique. Mais par contre, du harpon. Des munitions de harpon, c'est possible ou... Hélicoptère. Merde, vous l'avez pas vu, mais il y avait un hélicoptère. Bon, et bah, bazooka au lieu du harpon, c'est parti, hein. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir abattre l'hélicoptère? Telle est la question. Regardez-moi ces effets de lumière. Non, en vrai, ça rajoute un truc. Encore des munitions de bazooka. Ah ouais, pour qu'ils nous en donnent autant, c'est qu'il va y avoir un bon gros combat. Ah oui, bah en fait, il y a sa vie en bas, hein, je viens de voir. Hop là! Bah oh oh! Non non, on se cache. Hop là! Et bah alors? On est mauvais? Ouh la vache! Ah non, eux aussi ils tirent des missiles! Yes! Moi je pensais que c'était que des petites mitrailleuses, mais pas du tout. Bon c'est bon, on le défonce quand même. Hein. Tu sais pas viser! Tu gères mal Streamlabs, comment ça? Munition! Y'a pas de munitions? Non, il faudrait des munitions, moi, en fait, là, quand même. Hein. Là-bas. Oula! Eh oh, 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 tu te crois où, là? Calme-toi, mon coco!
Easy. Et merci de m'avoir ouvert la voie. Y'a quoi par là? Ah ouais, mais y'avait masse munitions en fait là, d'accord, ok. Peut-être que mes réglages sont améliorés avec... Tu vois que j'essaye de checker ça à l'occasion hein. Quand on pourra se revoir. En 2023 à peu près, je pense. Ou alors sinon avec TeamViewer, je peux peut-être checker. Pour te faire des réglages de stream. Niveau terminé, yes, yes. D'après le général Carrington, vous auriez un cadeau pour moi. Donne-lui le dossier de Roland, fils. Ah, pas de son. Pas mal. Une cinématique sans son, yes. Est toujours aussi bien codé. Très bien, donc on sait pas ce qu'il dit. Putain, mais non, mais... Bon là, normalement, en fait, il me semble qu'il y a le général Carrington qui explique que nous ne sommes pas le vrai Steve Roland, et qui dit aux flics, arrêtez d'essayer de le poursuivre, parce qu'en fait, c'est un agent infiltré, voilà, il est avec moi. Je crois que c'est grosso modo ce qu'il lui explique. Mais c'est bien, hein, je suis obligé de me souvenir de comment est le jeu de base, tellement c'est mal branlé, quoi. Donc nous sommes Jason Fly, ils ont pris l'apparence de Steve Roland pour s'immiscer dans la conspiration des vins. Mais putain, y a pas le son, quoi. Sérieusement. Et du coup, qui a assassiné le président si c'est pas nous? Surveillance. Bon voilà, on sait pas vraiment du coup pourquoi on est là. C'est bien. C'est pas du tout buggé. Ne pas tuer les agents du FBI. Supprimer les gardes sans donner l'alerte. Ok. Mais c'est que de l'infiltration dans ce jeu en fait. J'avais vraiment oublié que c'était à ce point-là quoi. Et il y a de nouveau plus de musique. Trouvez la chambre 41 sans vous faire repérer. À la moindre alerte, nos deux suspects annuleront la réunion. D'accord. Sinon, je peux pas me déguiser comme Hitman. C'est peut-être plus simple hein, pour passer inaperçu. Bon voilà, mais moi je fais des propals, après vous faites ce que vous voulez les gars, mais... Parce qu'un gars qui se travaille avec un petit flingue dans la main, je suis pas sûr que ce soit le plus discret du monde. Vite, la chaise. Il devrait être à l'étage dans moins d'une minute. T'es une agent du FBI ou pas, toi? Dans le doute, je te tue pas. Y'a des gens? On peut pas vraiment voir à travers, on n'est pas à la bonne hauteur. Par ici. Est-ce qu'on a des bouteilles? La meilleure arme du jeu. T'en as pas de bouteilles. Dommage. Et là-dedans. Attends, mais à quoi ça sert tous ces trucs si on a rien? C'est peut-être pour passer incognito. Ouais, je pense. Non, on va éviter de rentrer, il y a là d'avoir du monde. C'est bon. La voie est libre. Munitions, fusil d'assaut. Oui, non, mais j'essaie d'être discret en fait, donc pourquoi vous me donnez ça? On est obligé de rentrer là-bas. Ok, génial. Sinon, un flingue anesthésiant, ce serait bien aussi. Encore une fois, je sais que tes propositions, mais... Oh merde. Ah, mais vous êtes pas des agents du FBI, en fait, vous. D'accord. En fait, vous, je peux vous tuer. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Le mec, il veut tellement donner l'alarme qu'il s'en fout, quoi. Je suis devant lui, il pourrait me buter, mais non. J'imagine que les agents du FBI, ils ont leur gros manteau bleu avec marqué FBI dessus. Les autres, on peut les buter. Bon à savoir. Et ben, la suite?
appel à tous les agents. Tenez-vous prêts, il arrive. Comment ça, j'arrive? Qu'est-ce que c'est, les histoires? Le ratez pas! Oh, fuck! Cours! Non, tu ne donnes pas l'alarme. Ouh! C'était juste. T'en faut vraiment que j'ouvre tout ça, là? Déconnez pas. Hop, munitions, kit de secours, très bien. Mais il y a beaucoup trop à fouiller! Non mais les gars, il y a beaucoup trop, là! Calmez-vous! Ah mais ça aussi, ça s'ouvre! Mais bordel! J'en ai raté beaucoup trop. Ah, munitions. Ok. C'est quoi ça? Je peux prendre ou pas? Non. Je crois que c'était des munitions. Pas du tout. Des couteaux de lancer, ça serait bien aussi là. Hein. Je dirais pas non à des petits couteaux de lancer. Ah bah et voilà, j'en parle et ils sont juste là. Ah mais magnifique! Fusil à pompe, oui, bah très bien. Il est dans la salle de réunion. Bien reçu, passez sur 10.5. Vous pouvez me brancher sur la fréquence 1. C'est fait, maintenez les unités de renfort en alerte. Et Medikit. Bon, on va sauvegarder. Parce que je crois que derrière, il y a les mecs du FBI. Et eux, on peut pas les tuer du coup. Droite, gauche, et bas, gauche. Non, on peut pas. Ok, très bien. Bas, droite. C'est pas grave. Mais je peux pas ouvrir tout ça? Sérieusement? Étrange. C'est un, t'es un méchant ou t'es un gars du FBI? T'étais un méchant. Ok. Ok. Non mais de loin, je vois pas très bien, donc j'ai un petit peu peur que c'est toi un gars du FBI et que ça fasse « Ah, vous avez échoué à la mission !» C'est sympathique comme suite. Oh putain, la téloche! C'est une télé, ça? Oh la vache! Munitions fusil d'assaut. Ah ok, très bien, merci. La taille de la télé, ça c'est du widescreen, widescreen. Salut gigantesque, ça va très bien, j'espère que toi aussi, merci beaucoup. Installe-toi. On est toujours sur 13, le jeu le plus mal branlé du monde, le remake le plus mal branlé du monde surtout, parce que le jeu de base il est cool. Avec que des bugs, c'est magnifique. Là tu viens de rater une cinématique sans son. Alors, je te jure que c'était quelque chose. Mais attendez, je dois aller par où? Ah mais pas du tout par là en fait. Ouais, encore une fois, je suis d'accord, mais je dois passer par où? Mais c'est d'où je viens, ça, non? Ah, j'ai oublié de prendre un truc. Quel débile. Et du coup, c'est quelle salle que je dois ouvrir? Celle-là? Non, je peux toujours pas. C'est là, d'accord, très bien. Faut le savoir, hein. Le jeu de base était fait par Ubisoft. Et il était quand même moins buggé que ce remake. Là, c'est Microids qui s'en est chargé et... Entraînez-vous à le viser avec le micro-canon. Visez-le. Ah, oh, on va devoir écouter avec un micro-canon. Yes! Oh là 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 là. Bien, ne le lâchez plus. Comment on vise? Suivez-le maintenant. Mais il est où? Ok. Ça va être compliqué. C'est moi ou ça marche pas du tout par contre? En même temps, il parle pas donc. Attention, vous perdez votre cible. Comment ça, je perds ma cible? Il est où? Où est-ce qu'il est? Il est où ce bâtard? Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Attention, vous perdez votre cible. Calme-toi, j'ai un moment d'arriver. Fou, celui-là. Merde, non, c'était pas par là, c'était où? C'était là-bas.
On se paume, hein. Non, mais c'est compliqué, hein. C'est vraiment pas le jeu le mieux branlé, ça c'est sûr. Prenez-vous à le viser avec le micro-canon. Visez-le, bien. Ne le lâchez plus. Donc c'est lui, hein, on est d'accord. Suivez-le maintenant. Alors moi, je veux bien. Mais... il était passé où? Attention, est-ce qu'il va encore se téléporter? Attention, vous perdez votre cible. Mais comment ça, je perds ma cible? Mais bordel, il est où? Mais c'est un truc de fou! Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Attention, vous perdez votre cible. Mais ça me rend fou! Il y a un truc que je comprends pas, là. Il se téléporte, ce bâtard. Entraînez-vous à le viser avec le micro-canon. C'est pas YouTube que je dois viser, c'est quoi le délire? Bien, ne le lâchez plus. Suivez-le maintenant. Mais ça, je veux bien, mais après, il disparaît. Attention, vous perdez votre... Oui, bah, je sais. Faut que je me décale, c'est quoi le délire? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'en ai marre. Il faut faire quoi? Attention, vous perdez votre cible. En plus, on a le son du truc qui continue alors qu'on l'a plus. Ce son désagréable de grésillement. Ah, dégueulasse. Winslow est déjà là. Entraînez-vous à le viser avec le micro-canon. Visez-le. Bien, ne le lâchez plus. Suivez-le maintenant. Il est où? Putain, il est là. Mais bordel! Faut faire quoi? Mais je veux bien continuer ça à l'infini, mais il y a un moment... Attention, vous perdez votre cible. Il doit y avoir un endroit. Ah, il est là. Oh là là. Ok. Fallait se décaler un peu. C'est chaud. Allez, on va y arriver. Vous venez enfin m'annoncer la mort de numéro 13. Je suis là pour veiller à votre sécurité, monsieur Winslow. Oh, me voilà rassuré. Nous ne sommes pas en avance sur le programme. Quelles sont les nouvelles, numéro 9? Figurez-vous que je les ai tous convaincus. Industriels, banquiers, artistes, les plus influents personnages... Pourquoi ça descend, là? Je suis sur lui, là. ...le futur régime. J'ai d'ailleurs ici la liste des soutiens financiers. Je la transmettrai ce soir à numéro 3 lors de la veillée d'armes au sanctuaire. Qu'en dites-vous, numéro 5? Parfait. De mon côté, les nouvelles sont plutôt rassurantes. Malgré un léger contretemps, nous contrôlerons tous les points stratégiques du pays demain soir. Le plan rouge total va enfin nous permettre d'asseoir notre autorité. C'est très désagréable comme bruit, le grésillement, là. Et comme on pouvait le prévoir, le président Galbraith ne se doute de rien. Mais qu'est-ce que... Ils nous ont repérés. Fuck. Winston se dirige vers les ascenseurs. Coupez le générateur électrique. Mon équipe... Oh, mais le son, il reste. Oh là 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 là. Il y a le son qui reste. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'as cru? Oh, mais il y a le son qui continue. C'est désagréable. Ah non, non, ça va pas être possible. On va sauvegarder et recharger, hein. Ça va pas être possible. Hein. Ok. Il y a pas moyen, là. Ah, mais ça reste! Oh non! Je suis où là? Mais je suis. Hein? Ah oui, ok. Oh non! Salut Cyril! Oh, il y a le son de grésillement qui reste là, insupportable! Mais qu'est-ce qu'il est bien ce jeu, bordel! Qu'est-ce qu'il est bien codé! Oh! Salut, monsieur. C'est tranché,
chercher dans la salle de billard. Venez. T'inquiète. On peut le prendre en otage, mais c'est un gars du FBI, je vais pas faire ça. Ouais, j'arrive. Y'a quoi par là? Y'a un truc ou pas? Niveau terminé, ok. Ça va très bien dans 13 malgré les bugs. Ah, c'est un truc de fou. Oh, mais ce son. Par contre, c'est vrai que les passages dans les conduits d'aération sont toujours aussi beaux. Hein. Récupérer la liste des soutiens financiers. Un petit peu long d'ailleurs ce conduit. Ah non, mais il y a des tonnes de bugs, Cyril. Hein. C'est un truc de fou. C'est con parce que l'aventure reste bien. Hein. Ça reste un bon jeu de base, hein, 13. Mais là, le remake. Oh. C'est une vaste blague. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Oh putain, ça m'a fait peur! Ah! Non, Winslow, ne me tire pas dessus. Sois gentil. Pompe dans ta face! Et on recharge. Oh merde. Et le petit dernier, voilà. J'ai eu plus peur que d'en face. Mon phobia. Le numéro 9, on a tué le numéro 9 du coup. Yes. Ça va être pratique de monter les échelles sans les mains. Ouais, bah ouais. Non, mais c'est parce qu'on est tellement... On a des abdos en béton. Du coup, ils grimpent juste sur les pieds. Et puis en serrant bien les abdos, tu vois, en gainant bien, ils tombent pas. Parce qu'on a un fucking warrior. Qu'est-ce que je dois prendre, là? Encore des clés? Ouais, toujours que des clés, de toute façon. Oh, mais ce son qui reste là! Ce grésillement horrible! Ça veut pas partir! Faut aller par où? On a une clé, ok, mais qui ouvre quoi? Eh, munitions. Armure, je prends. Les bouteilles! Mais c'est bon, voilà. Meilleure arme du jeu de retour. Ah bah non, oui. Pour ouvrir la porte, j'ai dû péter la bouteille, bien sûr. Bordel de merde. Salut les gars. Il ne peut pas s'échapper. Oh, ce son qui a bugué. Mais tout est bugué du cul dans ce jeu, j'en peux plus. J'en peux plus. Quoi? Mais attendez, il y en a combien à buter là? Salut Willard, je te tue. Reviens ici. Regardez-moi ça, mais ce combat... C'est n'importe quoi. J'ai plus que deux balles. Non mais recharge plus toi. Mais pourquoi il recharge un par un ce con? Oh mais putain, j'adore les bugs. Il est passé où? Hé, hey, connard! Ah, t'es là. Merci bien. Des documents qui flottent, cool. Et on a buté le numéro 5. Ah ok, ça se finit comme ça. D'accord, très bien. Putain, ce combat. Oh, c'est nimpe. Oh, c'est beau par ici. Mais qu'est-ce qu'on fout là? Encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a une cinématique qui a été coupée. Parce que oui, on m'a dit qu'il y a des cinématiques qui ont été zappées dans mon premier stream. Et là, j'ai l'impression que ça fait pareil. Hein, parce que je vois pas qu'est-ce que je fous ici. Yes, yes. Bon. Bah, on continue. Hein. Infiltrer le sanctuaire et trouver leur salle de réunion. J'ai hâte de connaître le visage de numéro 1. Ne vous faites pas repérer avant mon signal. Ils doivent être sur leur garde. Oh, alors je me souviens ce qui va se passer là. Alors là, si je me souviens bien, ça va être le massacre des gars de la conspiration. Mais genre vraiment quoi. Par contre, j'ai de nouveau Touch Portal qui s'est déconnecté, j'ai l'impression. Attendez. J'aime pas quand ça fait ça. Ça m'énerve.
Non, reste là-dedans, toi. Pardon. Hop. Alors, toi, tu portes à la question que tu me fais. Bah si, t'es connecté, pourtant. Ok, c'est bon, ça remarche. Je sais pas pourquoi, parfois, il déconne un peu. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, ouais, là, si je me souviens bien, ça va être un gros massacre. Oui, bien sûr, c'est pas par là qu'il faut passer. Par là ? Y'a quoi, là ? Putain, fallait le voir. Ah oui, ok. On est reparti pour de l'infiltration rondement menée. Le headshot. Oh, un Uzi. Mais on va garder plutôt le silencieux. Ça peut être pratique. T'as un labyrinthe, tout orangé. Eh, c'est quand même beau. C'est tous les connards. C'est qu'il y a du monde par ici. Bonjour, je suis là pour vous tuer. Ah, sauf si vous voulez pas. Qu'est-ce que... Bordel. Abattez-le ! Merde. Oh ! T'as une arbalète, merci pour les munitions. Putain, c'est beau tout ce orange là. Non ? Tu n'as pas les munitions ? J'ai plus d'arbalète ou quoi ? Ah, c'est pas la même ! Non mais sérieusement ? Non mais c'est clairement la même, vous foutez pas de ma gueule. Ah non, ça c'est une arbalète qui tire trois flèches, qui peut tirer trois flèches et l'autre une seule. Ok, très bien. Bah... Ouais. Merci quand même pour les munitions. Alors, à la suite. Il y a un bug où tu peux avoir un balai. Bah, il y a déjà une arme de base comme qui... Enfin, le balai, on peut déjà l'utiliser comme une arme. Comment ça ? Genre un balai à la Harry Potter ? C'est bon, j'ai trouvé ! Allez ! Toi ? Non merde, j'allais lui faire un headshot. Quoi ? Comment ça, alarme ? Comment ça, alarme ? Un AK-47 avec un balai dedans. Quoi ? Attendez, comment ça, alarme ? Comment ça, alarme ? À quel moment, alarme ? Quelqu'un est tombé sur les cadavres, hein, c'est ça le délire ? Il reste un mec survivant dans le labyrinthe ? Peut-être par là. Ah non, il y a personne. What the fuck ? Qu'est-ce que... Ok, chelou. Bah dans le doute, toi, on va te bouger, hein. Mais j'ai pas compris d'où venait l'alarme, là. What ? C'était bizarre comme... Putain, mais à chaque fois, ils disparaissent, les cadavres. Un truc de fou, ça. Bon, bah, pas d'alarme. Mais j'ai pas compris pourquoi il y avait un mode alarme. Ah, t'es là. Non, tu meurs, et puis c'est tout. Qu'est-ce que... The fuck ? C'est chelou comme endroit, hein. Bon, ça c'est fait. Je m'y perds, moi, là-dedans. C'est par là, je crois. Non, pas du tout. C'est par là. Oui, c'est là. Compliqué, hein. Petite sauvegarde. Voilà. Et on va essayer de mettre des headshots bien placés. Yes! Ah, là. Toi. Headshot. Non, pas d'alarme. Headshot, et puis c'est tout. Il y en a un troisième ou pas? Je ne crois pas. Si. Oh putain, il y en a même quatre. Merde! Non, tu fais pas l'alarme. Merci bien. Toujours pas de musique.
C'est un truc de fou, hein. Je sais pas si c'est normal ou si c'est juste que c'est mal codé. Mais ça fait bizarre sans musique. Attendez, quoi? Sérieusement? On en est là, là? Sérieusement? C'était encore un beau bug, hein. Là-dedans? Ah ouais, trop cool! On se croirait au Manor Croft, là. On a passé tout le week-end à poncer la coque du bateau avec Matthew. Dimanche prochain, on attaque l'anti-fouling. Ne me parle pas de bateau, ça me donne le mal de mer. Hey, viens voir ça. Quoi encore? Un hélico, là-bas, la QG. Tu veux passer pour un con? Tous les propriétaires du coin ont un hélico. Ok, tu en prends la responsabilité? T'es un quartier de riche? Ouais, si tu me lâches 5 minutes. Oh, ça va. Ah, les mecs, ils ont tous un hélico dans le quartier, apparemment. Ça va? Tranquille? Hein? Tirez! Ah yes, on peut être discret, c'est bien. Oh. Bordel! Mais c'est pas possible! Ah, mais quel code! Mais qu'est-ce que c'est bien codé, bordel! Meurs, toi! Voilà. Oh. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. On a passé tout le week-end à poncer la coque du bateau avec Matthew. Dimanche prochain, on attaque l'anti-fouling. Ne me parle pas de bateau, ça me donne le mal de... Hein? Voilà. Là, ça s'est bien passé. La bouteille, oui. Oui, 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 oui. Non, c'est pas par là? Ok, très bien. Par là, alors. Non plus. Mais bordel, c'est par où? Si, c'est par là, non? Mais... Mais c'est pas possible. Bon, tant pis pour la bouteille. Mais donnez... Dites-moi où est l'objectif. Putain, il veut pas s'afficher, hein, c'est un truc de fou. Mais si, c'est par là, non? Mais... Je devais pas venir ici à la base, c'est ça? Faut que je replonge? Ça sert à rien de venir ici? Si, bah là on m'indique un objectif. Attends, mais il s'indique vraiment avec 10 minutes de retard cet objectif. Et là il disparaît. Tu te fous de moi ou quoi? Quoi? Mais à quel moment là on voit qu'on peut péter quoi? Hein? Enfin, on peut péter le mur, hein. Qu'on s'entende bien. Prendre des dégueulasses. Oh tiens. Ça faisait longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain, les mecs, il a un bateau et tout. Quartier de Richou. Hop, ça se recasse. Non, mais c'est clairement le Manor Croft. Hein. C'est beaucoup trop stylé. Il y a lui qui va venir voir là, ouais, enfin elle. Du coup. Eh non, tu es mort! Ou morte? Bref, il n'existe plus. Tu es morte. Eh, en vrai, c'est stylé. Hein. Quand même. Quelqu'un là. Oh, zut. Yes, mais franchement, cette intelligence artificielle du bonheur. Qu'est-ce qu'on a par ici? Ah. Nouvelle entrée de dossier, agent. Très bien, très très bien. Encore un petit collectable. Souvenir.
numéro 13 a reçu 3 balles dans le torse. Qu'avez-vous fait de son corps? L'arrivée des policiers m'a empêché de le récupérer, mais je vous assure qu'il n'a pas pu. Taisez-vous. Messieurs, le numéro 13 est toujours en vie. Il faut s'en occuper avant qu'il ne fasse échouer les opérations. Il sait qu'on l'a trahi. Il va se venger. Ah, un numéro 13 a été trahi de base. Ok. Ça commence à se recoller petit à petit, hein. On va fouiller tout autour. Et Kika ? Ça sent l'entrée cachée. Je veux pas dire, mais... C'était sûr ! Merde, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais, d'accord. Ouais, on est bourrins, nous. Yes. Aucun respect pour le travail des artisans. 13 remakes, succès débloqué. Trouver l'entrée secrète du sanctuaire. Oh, merci. Trouver l'endroit où se réunit le clan des vins. Ne pas attirer l'attention des membres du clan. Ouais. Ouais, d'accord. Non mais sérieusement ? Mais je viens de mourir là ? Putain. J'en ai marre. Très bien, très très bien. Si je dis pas de bêtises, on s'approche de la fin. Hein. Après peut-être que je dis des immenses conneries, mais il me semble qu'on s'approche de la fin. Les instructions sont formelles. Nous maintenons la date des opérations. Dans ce cas, allons rassurer nos convives. Je me resserre un petit peu d'eau. Bien, monsieur. J'ai pas vu, tu peux refaire. Non. Mais en gros, j'ai essayé de grimper et puis bah, je suis tombé. Voilà. Oh, un balai. Oh, une épée. On peut l'utiliser ou pas? Ah, dommage. Mais ils sont combien? Voilà, ça commence. Et là, je crois qu'on va en zigouiller plein des membres de la conspiration. Je sais plus si c'est là, mais je sais qu'à un moment, il y a un gros massacre. Enfin, je crois, hein. Peut-être que je dis une immense connerie, mais il me semble que c'est ça. Hein. Est-ce qu'on va arriver dans leur réunion, quoi, en mode « Hey, surprise, motherfucker !» Oui. Yes. Tais-toi. Toi aussi, tais-toi. Et toi aussi. Putain, le headshot, hein. Regardez ce banquet. Oui. Le numéro 5 tenait à nous donner un avant-goût des privilèges. Ils sont juste là. Comment allons-nous justifier son absence auprès des convives? Je ne sais pas encore. Et il n'est pas le seul à manquer à l'appel. Ils sont juste là, on peut les tuer! Et les conspirateurs! On va sauvegarder d'ailleurs. Hein? Ouais. Ça paraît être une bonne idée ça. Je m'emmêle dans les câbles. Y'a rien là-bas? Ok. Eh ben on grimpe. Quand même, comme lieu de réunion, c'est plutôt stylé. Hein. Il est pas si mal ce petit pistolet finalement. Hein. Plein de munitions, il one shot en headshot. Cool. Oh non, j'ai pas pris cette foutue carte magnétique. Et tu t'es pris une balle dans la tête surtout.
Je suis désolé. Je suis un peu paumé là. Je dois bien vous l'avouer. J'ai l'impression de tourner en rond. Oh, c'est peut-être qu'une impression, hein, mais... C'est vraiment stylé comme... Ah non, oui, d'accord, ok, on est obligé de faire tout le tour comme ça. Oh ! Bizarre comme architecture. Ouais, 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 ouais. Yes, des petits bots. Salut les gars, installez-vous. Faites comme chez vous. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ah yes, fusil à pompe, on sait ce que ça veut dire du coup. Des médicaments, de la drogue, las drogas. Eh, las drogas. Et on a ça. Et un medikit, yes, je prends. Donc j'ai la carte qui me permet d'ouvrir je sais pas quoi par contre. Oh, y a plein de gens. Chier. Non, il va balancer l'alarme. Alerte. D'où tu vas lancer l'alarme? Non, non, non. Non mais ils viennent ici pour lancer l'alarme, c'est bon. Qu'est-ce que... On va les attendre aux pompes. Non? C'est tout. Vous venez d'où? Vous arrivez où? Vous venez d'où? Bon, moi je vous attends. Ah, t'es là. Voilà, voilà. Headshot dans ta face. Salut! Ça va ou quoi? Oh, la... C'est par contre cette musique là, je la kiffe. Enfin, le thème principal de 13, quoi. Ça, franchement, j'aime bien. Je me demande qu'est-ce que. Oh, cerclez-le ! Je me suis fait repérer, mais instant, quoi. J'ai même pas eu le temps d'avancer. Un peu abusé quand même là, hein. Oh. S'il vous plaît. On est pas loin de la croix gammée quand même là, non? Ou c'est des mecs fans de Tetris? Je sais pas. Je crois que c'était un coronavirus. Non, c'est juste un arbre. Yes. What the fuck? Y'a un artiste dans le lot? Ah. Et à quoi ça sert de faire ça? Rien, hein. What? Non, y'a un truc. C'est pas pour rien s'il y a ça. Ah oui, attendez. Y'a forcément... Y'a un passage secret, une connerie comme ça. Ah non. Si, là. Ok. What the fuck? Qu'est-ce que j'ai récupéré? J'en ai aucune idée. Mais j'ai récupéré un truc. Et y'a des méchants. Hop. Toi, on n'en parle plus. Toi aussi. Voilà. Ceci étant fait, par où dois-je aller? Ah ok, il faut le mettre là. Eh, c'était un puzzle. Y'a un truc qui s'est ouvert quelque part. Oh, c'est là. Oh, stylé. Ça fait très James Bond. Hein. La grande demeure avec les passages secrets et tout. Ou un peu Indiana Jones aussi. Hein. Ah ouais, non, mais le puzzle de fou.
Regardez cette arme, elle est bien cette arme. Les mines de la Moria. Non, pas du tout. Au revoir. J'imagine que je vais devoir passer là, ou que je peux passer là pour être plus discret. Oui. Discrétion, discrétion, hein. GLaDOS en est presque jalouse. Ah oui, ah oui. Salut. Mais quelle infiltration rondement menée. Je vous jure. Ah, je flambe. Quel débile. J'ai tellement de balles que... On peut y aller comme ça en vrai. Ah là c'est pas mal les effets volumétriques, avec la fumée et tout. Ça rend bien là. Non mais les éclairages vraiment, c'est le point fort de ce remake. Hein. Après le reste... Voilà, voilà. Ouais. Il y a un crochet, j'en étais sûr qu'il allait avoir un crochet, ça c'est sûr. Allez. Non tu veux pas? C'est pas un crochet? Ah si, c'est clairement un crochet. Bah... Non? C'est pas comme ça? Voilà, on est d'accord que je peux pas monter, là, hein. Ok. Ah, ok, je suis censé monter, là. Oh! Hop! Mais quelle efficacité! Carreau, ok. Merci bien. Et un petit casque. C'est moi, il y a des gens au-dessus de moi. C'est moi qui fais ce bruit-là, quand je marche? Ah, je fais un de ces boucans! Ah yes, les sons buggés. Tout est buggé dans ce jeu, c'est un truc de fou, ça. Oula, j'ai failli tomber. Mais c'est qu'il y a plein de trucs ici. Encore des carreaux. Bah, merci bien. Pourquoi j'en ai autant? Ça pue ça, hein. Ça sent un peu du derche, hein. Ok. Bah, easy. Oh, c'est quoi ça? Yes, plein d'armure. Merci bien. Pas assez de couteaux, j'aime bien moi les couteaux de lancer, mais j'en ai clairement pas assez. C'est triste. Raté, yes. Mais mange ton headshot! C'est pas possible ça! Il y en a d'autres ou pas? Non, c'est bon. On va recharger l'arbalète. Je sais plus c'est quand qu'on désingue tout le monde. Oula! Bah dis donc, Gonga. Je t'avais pas vu, toi. J'arrive pas à sectionner les armes que je veux avec la molette, hein. C'est un truc de fou. Mais j'ai trop d'armure déjà.
Mes amis, l'élite de ce pays va bientôt faire entendre sa voix. Ensemble, nous allons jeter les fondations d'une nouvelle Amérique, fière, forte et saine. Une Amérique purgée des parasites qui l'ont trop longtemps privée de sa véritable grandeur. Qui dit ? Ici le colonel Amos. N'intervenez pas avant mon signal. Il me faut un maximum d'informations avant de donner l'assaut. D'accord, très bien, colonel. J'ai eu un peu de mal à viser, là. Mais décidément. On a tellement de munitions sur ce flingue, c'est un truc de fou. Raté. On est marre. Voilà. Et on a tellement de munitions que même si je rate des tirs, c'est pas bien grave. Hein. Mais il est grand ce bâtiment. De l'extérieur, il avait pas l'air aussi grand. Hein. Et célébrons comme il se doit l'aube d'une ère nouvelle. Je suis censé y aller ou je vais attendre le signal ? Messieurs, je vous invite à rejoindre le buffet. Le buffet, carrément. Attends, les gars, ils se mettent bien. Hein ? Bougez-vous ! Eh merde, je suis descendu trop vite. Bon. Visiblement, j'y suis allé trop tôt, gigantesque. Hein. Le nouveau gouvernement sera à pied d'œuvre. Réjouissons-nous dès maintenant du succès de notre entreprise. Je peux arrêter de me balancer, c'est chiant à force. À l'aube d'une ère nouvelle. Non, arrête. J'essaye, hein. Ça ne veut pas. Là, j'appuie sur rien, ça se balance de plus en plus. Mais what the fuck? C'est pas comme ça normalement en physique. Hein. Par contre, les gars, vous avez remarqué qu'il y a un énorme trou au-dessus de vous, quoi. Enfin, je sais pas, hein. C'est quand même bizarre, quoi. J'ai l'information principale. Quittez le sanctuaire. D'accord. Eh ben, c'est parti. Hop, headshot. Non, reviens. Eh merde, je dois recharger. Et c'est là qu'on les tue tous, les conspirationnistes. Le massacre peut commencer. Et j'ai pas beaucoup de munitions de fusil à pompe, c'est dommage. Ah mais j'ai de la calache, ok, ça va être plus simple. Allez là, les 20 numéros. Enfin, on en a déjà liquidé quelques-uns, donc il reste un peu moins que ça, mais... On va les faire chuter. Yes, plus de munitions. Bah, petit flingue, hein. Ouais. Ok, c'était sûr qu'il allait avoir un grappin. Non ! Mais vite, accroche-toi ! Quel con ! J'oublie toujours qu'il faut pas appuyer sur espace, sinon on se décroche. Oula, c'était cool ça. C'est bon, j'ai eu tout le monde ? Non.
Oh, mais ce massacre. Magnifique. Recharge. Bon, là, on sait même plus quel numéro on assassine, hein. Pour le coup, fuir le sanctuaire. Ouais, ouais, je veux bien. Je veux bien. Ah, ok, ça se fait tout seul. Cliffhanger. What? C'était quoi ce bruit? Mais what the fuck? Je dis pas non, un petit peu plus de munitions de fusil d'assaut. Oui, voilà, merci bien. Regardez-moi cette lune. Oh, cette musique angoissante. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui me tire dessus? Je te vois à peine. C'est bon, il est mort. Toi, là. T'es mort aussi. Décidément. Oh, la batteuse. Oui, oui, oui. Alors, on va y aller en mode bourrin, là. On va rater d'être... d'être discret. Là, on les massacre tous. J'aurais dû recharger. Je vous envoie un hélico. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je te dégomme, moi. Ah, il y a des mecs qui arrivent. Débarrassez-vous des hélicoptères ennemis. Ils nous empêchent d'approcher. Pardon? Je veux bien. Mais comment je fais ça? Ok. Tout va bien. Je mitraille des mecs dans un hélico. Allez, cassez-vous. Y'en a d'autres? Oh, fais chier. Mais ils sont combien? Il reste un appareil. Ouais, bah, deux secondes. C'est pas possible, ça. Bien joué, on arrive. Allez jusqu'au bout de la corniche. Où ça? Ah, là-bas, d'accord. C'est bon, sautez sur l'échelle. Ouais, j'arrive. Oh, punaise. Yes. Walter Sheridan, Ben m'a tout raconté. Je veux vous aider à arrêter les assassins de mon frère. Les chefs de la conspiration sont vains. Tous des hommes et des femmes influents. Bien décidés à supprimer la démocratie de notre pays en y instaurant un régime totalitaire. Leur plan est redoutable. Ils vont profiter de la simulation de l'état de guerre prévu demain pour prendre le contrôle de toutes les bases stratégiques du pays. Le poste de contrôle se trouve à SSH 1. Je suis autorisé à m'y rendre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Le bureau 1 s'y trouvera forcément. Je veux être de la partie. Ensuite, Général, nous reprendrons notre petite discussion là où nous l'avions laissée. Pardon, j'ai tapé le micro. Entrée interdite. Pas pour moi. Courez à la comptabilité et posez-leur toutes les questions que vous pouvez sur le budget. Ça justifiera notre présence ici. Quant à nous, colonel Marshall, allons au poste de commande. Comment ça, colonel Marshall? J'ai pas le colonel Marshall. Il a fumé, lui. T'as fumé du mauvais shit, frère.
Je suis Jason Flee, Jason Fly, ou Steve Roland, ou numéro 13, appelle-moi comme tu veux, mais pas Colonel Marshall, enfin je crois pas. Peut-être que si, hein. Peut-être rien compris du tout. En même temps, on a une cinématique où y a pas eu de son, donc ça aide pas. La base secrète de SSH1, je sais même pas ce que c'est. Bonjour mon capi-chef. Attends, on dirait le début d'Half-Life. Quand on suivait Barney. Putain, mais qu'est-ce qu'ils sont lents, les scripts, ils sont lents. Dan est arrivé. Bien, monsieur le président. Le conseiller spécial du président va vous recevoir. Après vous, sénateur. Attendez, mais Sheridan, il est pas président encore ? Je crois qu'il avait pris la place de son frère. Il est pas encore président du coup. Ok. Autant pour moi. Ouais, c'est ça, gigantesque. Exactement. Bienvenue à SSH1, sénateur Sheridan. Bonjour, Calvin. C'est très aimable à vous de nous accueillir. J'ai un petit souci, Walter. Le colonel Marshall ne va pas pouvoir vous accompagner. Ordre express du président Galbraith. Mais je... Nos officiers sont dans un état de nervosité extrême. Le président préfère ménager leur susceptibilité. Je suis confus, colonel Marshall. Allons-y, Sheridan. Les opérations vont commencer. J'ai trouvé un moyen d'entrer. Ouais, plus facile à dire qu'à faire. Je vous raccompagne, mon colonel. Ouais, c'est ça, ouais. Trop aimable. Bon, ça aurait été trop simple. Neutraliser les GI. Ah ouais, carrément. Ok, bah, go. Go. Hop, voilà. Bonne journée, colonel. À la prochaine. Salut. Mes respects, mon colonel. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, fais-moi sans pompe. Et dégage. Alors, qu'est-ce qu'on va t'y faire? Est-ce que lui, je peux l'assommer? Yes. La tatane. Ah, j'ai pris son arme. Très bien, très très bien. On peut fermer ça? Non, on peut pas fermer. Ça aurait été mieux de pouvoir le fermer, quand même. Il y a des trucs à ouvrir ici ou pas? Non. Ok. Il y a vraiment rien d'autre par ici? Ça me paraît léger quand même. Ça c'est chiant de pas pouvoir crocheter ou ouvrir les portes sans casser l'objet qu'on a en main quoi. Je voulais le taper discretos, et c'est plutôt raté. Non, il va donner l'alarme. Tu fais rien, toi. Toi, je t'assomme, toi. Toi aussi. Quelle efficacité. Ah, on voit pas ça tous les jours. Hein. Allez, les gars, je vais vous ranger. Enfin, vous ranger. Toi, tu vas là-dedans. Oh, la bouteille. On prendra la bouteille après. Putain, mais les cadavres ne vont jamais là où je les pose. C'est un truc de fou. Hein. C'est beau avoir un jeu bien fini et bien codé quand même. Y'a pas à dire. La bouteille. Yes. Alors. Merde, il faut une carte. Mais ça marche comment ça? Ouvre-toi! Ok, c'est bon. L'autre, on va l'assommer avec une bouteille.
Eh ben non, du coup, oui. Putain, mais fais chier. J'ai pas une autre bouteille? Pas une autre bouteille dans le coin? Non, pas une bouteille en plastique. Eh bordel, y a plus de bouteille. Ah bah bravo. Bon bah la chaise. Bah non, y a plus de chaise non plus. Si, là. Yes. Toi, là. C'est tout pour moi. Facile de s'infiltrer. Pas de soucis. Ça rame du cul, là, hein. Ouais, ouais, ouais. Oh, bordel. Vite le balai. Magnifique. Un autre balai, yes. Des munitions, très bien. Est-ce qu'on peut pas les shooter, j'imagine, hein. Ah, c'est neutralisé, donc faut pas les tuer, je pense. Ok. Là. On l'a vu. À la prochaine. Il me faudrait un autre balai. Non, il y a une chaise là. Parfait. Pour lui. Salut, Coco. Oula, il y a un gars juste là. Ok. Un balai. Yes. Bien sûr, c'est de l'infiltration, donc on parle à voix basse. Faut pas qu'on se fasse repérer. Fuck, y'a l'autre qui arrive. On va l'assommer. Le lâcher. Ah. Hop là. Ah bah il m'a entendu finalement, t'avais raison gigantesque. J'aurais dû fermer ma gueule. J'ai aucune idée d'ailleurs, ça se trouve on peut les tuer hein, mais juste je pense que non, donc je ne le fais pas. Visiblement, on aurait pu passer par ici. C'est peut-être pour le retour, cela dit. Ça se casse, ça? Ouais. Oh, des Kit Kat. Ascenseur. Et là, en fait, il y avait tout un escadron de militaires dans l'ascenseur. Ça aurait été bien marrant, ça, en mode... salut. Ça va, les gars? Il grince, cet ascenseur. La chaise. Ils sont partout. Oula. Ok, il y a des mecs juste là, on va peut-être se faire voir comme des cons. Oh, c'est chaud. Le lâchez pas. Comment ça? Qui m'a vu? Qui m'a vu? Bordel. J'ai chaud cacao. J'ai chaud cacao. Pardon? Mais... comment? On va le laisser tranquille, celui là-bas, du coup. Et voilà. Ça rame un peu, quand même, là. Hein. J'aime pas trop ça. C'est pas super, super fluide. Pardon? D'où t'as eu le temps de tirer, là? S'il vous plaît. Quoi? Hein? Tu n'as pas d'alarme, toi? Voilà, meurs. Enfin, meurs. Assomme-toi. Mais ça fait bizarre de dire ça comme ça. Ah là, on casse les vitres. Oh, mais ça rame! Oh là, c'est pas beau, hein. C'est pas tip-top. Quoi, comment ça?
Qui va donner l'alarme? Alerte! Le là! Tiens. Pas d'alerte. On se calme. Putain, mais encore un! Pas possible! Non! Le lâchez pas! Non! Succès débloqué. Éliminez 5 minutes de suite avec vos points. Ah, bah très bien. Merci. Oula. Il y a de l'électricité dans l'air. C'est infâme ce bruit. Mais c'est infâme. Faut que j'aille par où en fait d'ailleurs? Parce que c'est quoi exactement ce que je dois faire là? Rejoindre Sheridan j'imagine, mais c'est par où? Probablement par là. Ou pas. Qu'est-ce que... What the fuck? Oh, c'est stylé, ça! Ah ouais! Ça, j'aime bien, ça. Ah, il y a une caméra, ok, mais on s'en bat les couilles. Ah, on a fait tout le tour. Qu'est-ce qu'on est malin. Oh non! Ils n'ont toujours pas réparé la machine à café. Oh, zut alors! Viens faire, Sheridan, à SSF One. Pleine campagne électorale. C'est de la provocation. Dégage-toi. Je vous rappelle qu'il fait partie de la commission du budget au Congrès. À ce titre, il a le droit de vérifier la manière dont nous dépensons l'argent du contribuable. Mais dites-moi, Calvin, où se trouvent mes gardes du corps? Quoi? Ah, fallait pas que j'assomme le mec, du coup. Parce que du coup, ils vont voir qu'il y a un truc qui va pas. Comment je vais récupérer mes pièces, moi? Ou alors faut que je cache le corps. Faire. On va faire ça. Oh, ça rame! Une campagne électorale. C'est de la provocation. Ça rame du cul. Cache-toi. Je vous rappelle qu'il fait partie de la commission du budget au Congrès. À ce titre, il a le droit de vérifier la manière dont nous dépensons l'argent du contribuable. Mais dites-moi, Calvin, où se trouvent mes gardes du corps? Très bonne question. Il est juste là. Justement, monsieur. Un instant, Calvin. Passez-moi donc un peu de monnaie. Oula. Monsieur le Président, les spas ont été choisis pour assurer votre protection pendant toute la durée de Rouge Chétal. Cette bande de têtes brûlées. Mais, monsieur le Président... Que de la racaille ramassée par le colonel McCall. Pas une seule machine qui marche dans cette... Monsieur le Président... Hey, si vous pensez que ce sont les meilleurs, je vous fais confiance, Calvin. Ok. Il y a un mec qui arrive, non? Qui repart? Oula, oula. Bon, j'ai de nouveau... Yes. J'ai de nouveau Touch Portal qui bug, j'ai l'impression. Mais pour 2 secondes... Tu veux bien arrêter de bugger, s'il te plaît? Voilà, merci. Ouh! Alors, on sait pas faire repérer, ça c'est cool. Par contre, faut que je fasse quoi concrètement? Parce que là, ils repartent, d'accord? Faut que j'aille dans la salle où ils étaient, ou on s'en bat les couilles? Ah, j'aurais pu me cacher là-dedans, en fait, je suis con, moi. Complètement débile, moi, ça aurait été plus simple, effectivement. Je me suis cassé le cul pour rien. Bon, bah tant pis. Donc ouais, j'imagine qu'il faut aller là-dedans, hein. Bouteille? Yes. Oh non, pas les échelles. C'est bon. C'est bon. Antiterrorisme. Succès débloqué. Pacifique, terminé un niveau sans tirer sur personne. Oh putain, c'est vrai. On n'a pas tiré de coup de feu. Magnifique. Ici Cooper. Je devais... Non. Tu devais rien faire du tout, tu te tais. C'était quoi cette... musique là? Pourquoi d'un coup c'est hyper angoissant? Le lâche oh. Très bonne question. Y'a quelqu'un là? Non, c'est bon. Oh. Mère! Non, pas vraiment, mais...
Adios. Hop, de l'armure, ça c'est cool. Plein de munitions. Oh la vache. Oh, le stock est... On est dans l'armurerie. Génial. Y'a toujours le silencieux ou pas? Il y a plus le silencieux, hein. Ouais, donc ça sert à rien, je vais prendre ça à la place. Carrément mieux le 44 Magnum. Oh, déconne pas. Oh, putain, la vache, mais toutes les munitions! Ça pue, ça, hein. Ça, ça veut dire qu'on va se battre, ça, hein. Non, mais moi, je m'y connais, hein. C'est pas mon premier FPS, hein. Attention. Faut que je sois discret ou faut que je les bute tous? Protéger le président et trouver un GI. D'accord, ok. Ah! Yes, on peut tout péter! Peut-être un peu overkill, effectivement, mais c'était marrant. On va reprendre la M16, c'est très bien la M16 aussi. Numéro 13, de retour parmi nous. Encore un boss? T'es le numéro combien, toi? Oh putain, il a une sacrée arme, pareil, quand même. Oh. Cours! Reviens là. Ben reviens. Hop. Ça va être compliqué. Oh, ils sont combien? Au secours! Ils sont trop nombreux! Casse-toi, toi. Ah, ça fait mal. Tiens. Mange-toi ça. Pas très à risque quand même, hein. Toutes les balles qui se prend. Normalement, il devrait être mort depuis longtemps. Il y aura toujours quelqu'un pour servir la cause. Ouais, c'est ça, ouais. Sortez-moi. Qui c'est qui est... Ah, c'est le président qui est emprisonné. Sheridan. Je suis là, mon amour. Stoppez les opérations avant qu'il ne soit trop tard. Mais tu n'es pas Sheridan du tout. Ah non, Sheridan, c'est le sénateur. Ok, merde, le président, il est mort. Le président, lieu sûr, et trouve Sheridan. J'ai perdu le contact. Ouais, ok. Ça va pas du tout être chiant. Ok, génial. C'est long. Oula. Heureusement, il regarde pas en bas. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Au secours, en fait. Ah, casse-toi. Qu'est-ce que je fais? Je dois aller où? C'est un peu la panade, là. Oh, bordel. Je vais pas recharger quand je le porte, le Gugus. Accéder au poste de contrôle. Bah moi je veux bien, hein, mais ça a l'air d'être compliqué. Allez, recharge. Et viens avec moi. Tu fonces dans le tas. Ouais, bah visiblement c'est ça, ouais, mais... Je pensais qu'il fallait fuir, en fait. Mais pas du tout. Vous tirez pas? Ok, très bien. Bah à la prochaine, hein. Je sais même pas si c'est par là que je dois aller. J'ai pas l'impression, hein. J'ai vraiment pas l'impression. Ah. On va viser la tête, tout ça, on sait. Alors, toi, je vais te poser un instant.
Meurs pas, hein. Je sais que t'es dans un mur, mais quand même. Fais un effort. J'ai plus de munitions. Locker room, c'est par là ou pas? Enfin, à mon avis, c'est pas par là du tout. Hein. J'ai du mal à parler. Oh putain. Alerte! Ah, t'es pas morte, salaud. Ah non, mais là, j'ai plus d'armes. Non, mais là, ça pue, en fait. Il y a plus de munitions. Au pire, je laisse dans un coin, le président. Je nettoie tout le niveau, je reviens le chercher, et on fonce. Je sais pas. Ça peut peut-être marcher. Ah, c'est palpitant, hein. Comment je vais faire, du coup, sans avoir de munitions? Niveau terminé. Venez vite. Je vais m'occuper de lui. Posez-le ici. T'es gentil, toi. The fuck? Monsieur le Président, est-ce que vous m'entendez? Ça va? Aidez-nous, colonel! Ok. Pourquoi ils sont gentils d'un coup? Je comprends pas tout. Hein? Le lâcher! Ah! Merde, j'ai tiré sur un allié. Quel con. Mourez! Infidèle! Mais crève, toi! Ah, c'est encore les mecs qui vivent beaucoup trop longtemps, là. T'as beaucoup trop de PV, toi. Oh, j'ai pris tellement cher. Allez, du soin. J'ai eu peut-être un petit peu trop à l'arrache. 13 palpitants, effectivement. Et qui me tire dessus? C'est toi? C'est vous, bande de gros bâtards? Calmez-vous, je suis avec vous, hein. On va recharger. Ah, ok, c'est les spats qu'on bute et les militaires qui sont gentils. Enfin, les militaires classiques, genre lui, là. Bonne chance, colonel. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. J'ai entendu. Je préviens le colonel Amos. Rouge total. C'est le nom du plan, ça, que la conspiration va mettre à exécution. Je sais pas si on est encore loin de la fin du jeu ou pas. Donc je sais pas si je m'arrête là ou pas. Je vais regarder ça vite fait. Vous savez quoi? J'en ai pour pas longtemps, vous inquiétez pas. Je vais juste regarder 13, Solus. Et je regarde juste il y a combien de chapitres et où est-ce que j'en suis. On est dans... Ah oui, non, en fait, on est vraiment à la fin, là, j'ai l'impression. Ah ouais, ouais, ouais. On n'est plus très loin de la fin. Je pense qu'on peut continuer, du coup, hein. Eh bah, parfait. On est dans l'avant-dernier chapitre, en fait, là. Le colonel Marshall, là-bas. Au secours, libérez-nous! Faites attention, ils sont nombreux! T'inquiète, je vais les dégommer. Oh oui! Plein des munitions! Ou des couteaux de lancer. Oui, 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 oui. Oh! Un harpon! Il est où le harpon? Je veux le harpon. File-moi le harpon. Tellement mieux que la batteuse. Oh, meilleure arme du jeu! Oui! Une carte magnétique, d'accord. Oh, génial! Eh ben, c'est parti! Sont en place aux alentours des centres stratégiques. Préparez-vous à déclencher l'état d'urgence. À mon signal, vous donnerez l'ordre à toutes les unités SPADS de prendre le contrôle de chacune des bases. C'est la merde, là, quand même, hein. Je sais pas c'est quoi leur plan, mais ça a l'air d'être... urgent, quoi. Oh, oh.
Attention, faut que personne nous voit, comme ça on va pouvoir tous les tuer tranquillement. Abattez cet homme! Ouais. Hein? Efficace, tes gars. Hein. Écoutez-moi, on peut encore négocier. Négocier? Quelle bonne blague! Non, on va te défoncer la gueule. Ça t'apprendra à être complotiste. Conspirationniste, pardon. Toi là, arrête de bouger. Arrêtez de bouger, faut que je vous défonce. Aïe, mais qui. Hé, hey, vous êtes où? Oh, salut. Hop, un peu de vie, ça fait du bien. Putain, mais le harpon! Il y a con dedans, effectivement, c'est la même chose. Hop. Quoi? Genre, d'où ça t'a pas touché? Sale bâtard. Arrête de bouger, s'il te plaît. Ouais, merci. Putain, mais le harpon! Meilleure arme! Meilleure arme! Hop! Merde. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Salut! Oh merde, j'ai raté. Je peux rentrer? J'aimerais rentrer, s'il te plaît, pour te défoncer la gueule bien gentiment. Mais ils sont combien? Quoi? Qui ça? Qui? Où? Qui me tire dessus? Je suis censé faire quoi, là? Je peux rentrer ou pas? Je peux pas, hein? Y'a un ennemi encore en vie et qu'il faut que je bute, c'est ça? Ah oui, t'es là. Je t'avais pas vu. C'est bon? Vous vous calmez? Ah, voilà. Nous allons disparaître ensemble, numéro 13. Et personne ne saura jamais qui est le numéro 1. Vous entendez? Jamais! Ah ouais! Ah d'accord, ah carrément. Je m'attendais pas trop à ça. Hein. Évacuation immédiate des lieux. Qu'est-ce que je dois faire? Ici Carrington. On a retrouvé Galbraith, mais il est inconscient. Personne à part Sheridan ne connaît le code d'accès à la salle. Carpanétique, ok. Trouve-le et arrête le processus. C'est votre unique chance de survie. Bah moi je veux bien, hein, mais faut me dire par où je dois aller par contre. Hein. Encore une fois. Ok, faut que je redescende. Ah! Cours! Là, on entend l'alarme cette fois-ci, cela dit. Hein. Il serait temps. C'est à la fin du jeu qu'on l'entend, quoi. C'est bien. Bon, faut qu'on trouve Sheridan, donc. Oh! Ça a été vite. Il faut quitter la base. C'est trop tard. Donnez-moi le code d'accès, vite! Le code? Par ici! Non mais donne-moi le code d'accès, frère. Qu'est-ce que tu fous? Oh, c'est... Mais regardez-moi cette animation de qualité. Cette dégaine. Magnifique. Allez, le code là, le code. Mais le code, c'est pas le code? Yes. Merci. Abandon. Triste titre. Bon, je dois faire quoi, concrètement, là? Désinguer du genre? Vous me dites, et moi, je fais, hein. Dernière phase du processus enclenché.
Ok. Yes. Je me sens vachement en sécurité d'un coup. Au milieu d'ogives nucléaires, tout va bien. Une balle. Une balle qui se perd et tout fait boum. Ah, on a un temps limité. Ah, yes. Yes. Vite, 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 le grappin. Ah, yes, j'aime bien me cogner. Cool. Cool, 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 cool. Oui, c'est bon. C'est bon, j'y suis. Bon, faut qu'on se dépêche, parce qu'on a du temps limité, du coup. Ça pète dans une minute. Oh, bordel. Tout pour nous faire perdre du temps. C'est magnifique. C'est juste des feux d'artifice géants. Oui, c'est pas grand-chose. Hein. C'est qu'une arme nucléaire, après tout. Salut. Je n'avais pas prévu ça. Fuck it. Plus qu'une minute, 20. C'est par où que je dois aller? Ok, c'est bon. Aïe. Quel con. Non? Bah alors? Ah, il y en a d'autres à péter. Oh, le con. Voilà, c'est bon. Putain, comment on est trop fort. Petit casque, merci bien. C'est vrai que j'ai plus beaucoup de vie, moi. Allez, on va se soigner. On va se soigner, j'ai dit. Soigne-toi. Oh là 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 là. J'ai toujours le harpon. Ah, j'ai plus qu'un seul harpon. C'est chiant, ça. Faut que je revienne en arrière, là, ou... Parce qu'en fait, c'est bon, là, j'ai gagné. J'ai pas l'impression qu'il faut que je revienne ici. Ah! Non, 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 non! Oh la vache. Oh, je me suis fait peur. Oh là 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 là. Yes, j'ai quand même perdu de la vie. Tout va bien. Tiens, tiens. Numéro 13. Ou bien Jason Fly, peut-être? Il serait temps de mettre un terme définitif à notre relation. Allez, on combat la mangouste. J'ai plus beaucoup de munitions, c'est génial. Reste là. Oula. J'aurais peut-être pas dû faire ça. Quoique si, ça lui fait du dégât? Normalement, ça fait plus que ça quand on tire dans une ogive nucléaire, je pense. Hein. Oh, c'est boss de qualité. Oh, mais il me met cher. Y'a Jones qui arrive. Oh, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, j'ai plus de munitions. Ah, voilà, là, voilà pourquoi c'est chaud. Oula! Vite, regagne de la vie avant qu'il me tire dessus. Et si j'essayais de lui balancer des couteaux dans la gueule? Ça fait mal ou pas? J'ai pas vu. Ah, ça bug, je peux plus tirer. Yes, j'adore. Bon, bah, je suis mort. Ok, ça va être chaud. Ça va être complexe. Ça va être très complexe. Non, 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 non. Oh la vache, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. J'ai plus de munitions. Oh putain, c'est chaud. Oh, je sais faire comment? Je dois attendre qu'il recharge, c'est ça? En courant comme un dératé? Mais il prend la bonne arme, j'en ai marre. Hey, Fly! Il parle plus, hein. On est d'accord? Non, mais casse-toi! Mais je peux même pas esquiver ça! Ok, je suis mort. What?
Magnifique. Oh mais putain, mais il est chaud ce combat de boss. Peut-être que j'utilise plus les jets comme ça de... Pour l'immobiliser, je sais pas. Parce que là, voilà, là il bouge plus, je crois, quand il prend ça. Ouais, c'est ça. Faut que je joue avec ça. Mais c'est chaud, en vrai. C'est méga chaud. Oh, mais j'ai plus de vie déjà. Bordel, mais il me lâche pas ce connard. Oh, c'est méga chaud, c'est méga chaud, c'est méga chaud. On court, on court. Eh merde, j'espérais réussir à regagner de la vie, mais en fait non. C'est tellement compliqué. Non, 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 me tire pas dessus. Bordel. Non. Mais c'est tellement chaud. Mais casse-toi. Ah ! Il sort d'où ? Je vais mourir ! Ah ! Au secours ! Voilà, mais non, mais casse-toi ! Putain, c'est tellement difficile. Prends-toi léger ! J'essaie de le stopper, mais pas moyen. Mais il s'est pas pris. Ah, mais putain. Oh, c'est chaud. C'est vraiment méga chaud. En fait, j'arrive pas à savoir s'il suit mes mouvements et du coup si je peux réussir à le piéger comme ça ou pas. Est-ce qu'il suit là où je me déplace et du coup effectivement je peux l'avoir en faisant ça? Non, hein, pas tout le temps. Hein. Voilà, prends-toi ça. Et on se recasse. Oui. Ah, c'est ça. Il me suit en fait. Non? Fuck, j'y étais presque. Non! Ah ok, il y a tout qui se baisse. C'est la merde, c'est la merde. Il y a tout qui se baisse à la fin, c'est trop chaud. Mais non! J'y étais, j'avais compris le truc. Ce boss... Ah mais il se prend à la fumée que quand il veut en fait. Genre là, il se l'est pas prise, quoi. Et il a peut-être des frames d'invulnérabilité. Non, je pense pas. Casse-toi! Non! Ah mais la fin, c'est trop difficile du coup. Parce qu'il, voilà, juste, il meurt pas quoi. Mais putain, mais on peut plus utiliser les trucs pour le bloquer! C'est juste méga trop chaud la fin! C'est juste trop dur. Tous les boss, on leur roule dessus et celui-là, il nous met des minables quoi. Allez, viens. Viens. Voilà.
Oui, oui. Oh, yes. Yes, 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 on l'a eu. Oh, c'était chaud. Faut que je fasse quoi maintenant? Oh. C'est pas un peu la merde, là? Si, hein. Qu'est-ce que je dois faire? Nouvel objectif, rejoindre la sortie. Ouais, ouais, je veux bien, mais faut me dire c'est par où, par contre. Trop facile, ah, merci, merci. Vous savez que c'est avant tout beaucoup d'entraînement, hein. J'espère que c'est la bonne échelle que j'ai pris. J'en ai aucune idée. Ah ouais, du premier coup. Non, non, mais franchement, mais je suis un boss. Hein. Salut, Jones. Si tu as envie. Amène-toi, on se tire d'ici. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ah, c'est script. Félicitations, mon garçon. Ça va, Wally? Je n'arrive pas à retrouver mon calme. Nous sommes vraiment tirés d'affaire. Ah, mais c'est script. Ils sont tellement mal branlés. Sur mon passé, général. Le jour où je t'ai cruté, je ne t'ai pas demandé ton CV, fils. J'ai toujours engagé mes gars d'après leurs aptitudes, tu sais. Et tu étais particulièrement bon. Et Jones? Tu l'appréciais pour sa discrétion. Mais tiens, Ellie est invitée, elle aussi. On ne sait jamais, un détail lui viendra peut-être. Révélation. Là, normalement, c'est le dernier chapitre. Trouver Wally Sheridan. Avec grand plaisir. Beau bateau, hein. Justement, le voilà. Jason Fly, notre héros national. Oh, vous en faites trop. C'est un honneur. Bon, bah merci pour l'accueil, mais y a Mazouz qui m'appelle. Hein. Allez, salut. Comment vous trouvez mon nouvel uniforme? Alors? Moi, je vous trouve terrible. Yes. Je sais. Et toi, tu t'es rasé avec une biscotte? Quoi? Jones, vous êtes impeccable. Je sais. Pas très bavarde, hein? Pas très intéressé, surtout. Allez, dégage. Carrington est impatient de te retrouver, vas-y. Ensuite, j'aurai des révélations à te faire. Des révélations? Merci bien. Carrington, bah j'y vais. J'imagine que c'est par là. Oui, le voilà. Rasé avec une biscotte, mais qui dit ça? Mais personne dit ça, hein, je sais pas. Je connais pas du tout cette expression en tout cas. Ah, le voilà. Bah, où est ton smoking? Bonjour, Fly. Ravi de vous rencontrer dans de meilleures circonstances. Tous à l'avant du bateau! Yahoo! Oh les cons! Ils ont cru que c'était des coups de feu, mais non, c'est le feu d'artifice!
Qu'on n'a pas entendu non plus d'ailleurs. Oh là là, c'est beau. Oh là là, oh qu'est-ce que c'est beau. Bon, je vous avais pas vu. Mais où est passé Wally? Il faut qu'il voit ça. Oui, allez donc le chercher, Fly. J'y vais. Regardez ça. Wow. Je sais pas c'est par où, mais j'y vais. Tap, tap, tap. C'est toi, là? Pardon ? D'accord, Kim. Tu avais l'occasion de liquider 13. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Pardon ? Faut que j'aille où ? Faut que je fasse quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Peut-être par là. Comment ça, la mangouste est en vie? Numéro 1, est-ce que vous m'entendez? Ici numéro 1, je vous reçois 5 sur 5. Tu le vois? Qui est le numéro 1? Vite! Le feu d'artifice n'est peut-être pas à votre goût, Monsieur Fly. Oh, la musique! Non, mais comment ils ont gâché la fin? Oh non! Moi, je me rappelais d'un truc vachement stylé, genre, il te braque, et tu comprends que c'est Sheridan, le numéro 1, et puis bam, fin du jeu. Mais là, c'est vu que c'était un peu buggé, les scripts, la musique et tout, oh, ils ont gâché la fin, quoi. Et donc voilà, il n'y a pas de musique non plus sur le générique de fin, hein. On notera, je vais mettre ma musique à moi du coup. Voilà. Ouais, donc ça se finit assez abruptement, hein, mais parce que je crois que ça... j'ai du mal à parler, désolé. Il me semble que ça adapte que les 10 premiers tomes de la BD, et donc du coup pour avoir la suite, bah, il faut lire la BD. Ou regarder, je crois qu'il y a une série qui a été faite, mais apparemment elle n'est pas tip-top. Donc ouais, il faut lire les BD pour avoir la suite, ou alors il faudrait qu'ils nous fassent la suite du jeu, mais bon, ça, je pense qu'on peut toujours se brosser pour l'avoir. Donc il faudra que je lise la bande dessinée, mais déjà à l'époque, je l'ai pas lu au final. Donc voilà, ça se finit sur ça, ce gros cliffhanger de bâtard. Le numéro 1, c'était en fait Walter Sheridan, le frère du président assassiné au début du jeu. Ah. Qu'est-ce que je fais, moi? Pardon, voilà. Chargement. Ah! C'est déjà fini? Ou c'est parce que j'appuie sur une touche? Ok. Voilà. Voilà comment se termine ce jeu, ce 13, le remake. Remake, pas folichon, du coup, effectivement. C'est dommage. C'est vachement dommage. Il y avait terriblement mieux à faire avec ce remake. Ça fait toujours du bien de jouer au jeu, hein. Le jeu marche bien, l'histoire est cool, les différents niveaux sont bien faits, mais... Bah, ce remake tout pourri, quoi. Qui est mal codé, avec des musiques qui se lancent pas, des sons qui se jouent pas, des bugs à outrance. C'est vraiment dommage. Parce que ça aurait pu être un super, super jeu. Et malheureusement, bah, on a un piètre remake pour un excellent jeu, quoi. On m'a dit que la suite n'arrivera pas, c'est un bug. Exactement. Du coup, YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais arrêter la rediffusion ici. Je te fais des gros bisous comme d'habitude, porte-toi bien et à la prochaine, et surtout n'oublie pas de venir nous voir en stream de temps en temps, en direct, c'est quand même bien sympa.